Randonneuses, randonneurs, bonjour et bonjour à tous. Heureux de vous retrouver après une si longue absence, due un peu à la météo et puis les moments des vacances et tout, et tout, et tout. Et voilà, j'espère que vous avez passé tous de bonnes vacances pour ceux qui sont partis. Pour ceux qui ne sont pas partis, j'espère que vous avez mis à profit de visiter notre belle région. On vous a fait un cocktail de belles sorties tout au long de l'année. Vous pouvez venir et faire ces randonnées comme nous faisons en ce moment. Voilà, vous pouvez venir ici à Colmar-Bien où il y a un magnifique château. Et ça faisait longtemps qu'on n'était plus venu au Luxembourg. Et le Luxembourg est toujours agréable à visiter. Ici à Colmar-Bien, c'est le lieu de résidence de la famille Grand-Ducal depuis 1911. Alors voilà, Colmar-Berg, avec toutes ces... sur ce panneau, il y a tous les balades qu'on peut faire dans le secteur. Alors, vous partez d'ici, ici c'est l'autopédestre, on le voit. Il y a le CFL, le numéro 12. C'est tous les balades qu'on vous a déjà parlé, les autopédestres, le CFL, les offices de tourisme, toutes les randonnées qui sont indiquées là-dessus. Vous avez tout ce grand circuit-là et celui-ci. Et ça fait tout le tour de Colmar-Berg. Alors, il n'est pas magnifique cet étang et ce parc. Alors, on va vous faire présenter un peu ce parc ici à Colmar-Berg. On va faire le petit tour. Voilà ce que ça ressemblait à peu près en 1911, quand ça a été repris par le château pour la famille Grand-Ducal. Alors ça ressemblait un peu à ça, le village. Et puis maintenant, vous voyez, toutes les habitations, c'est quand même comblé d'habitations. Puis ici, vous avez tous les panneaux de balade. Vous pouvez aller à Etelbruck, 14 km. La Sûre, le long de la Sûre, le sentier de la Sûre, 14-900. Le Star, c'est le départ de la balade, à 100 mètres d'ici. Et vous avez d'autres itinéraires par ici. Etelbruck, 14 km. Et voilà, vous pouvez... Il y a de nombreux sentiers un peu partout ici. Et il y a surtout des vues de ce que ressemblait la ville avant. Ah, est-ce que c'est pas magnifique ici? Sur le parc, il y a plusieurs étangs où on peut se balader. Et puis il y a même un jet d'eau. C'est pas celui de Genève, mais enfin, c'est pas mal. On ira tout à l'heure à l'usine Godur, Godur-O et Chadoulux. L'ancienne usine qu'il y avait là à Chadoulous, c'était une société de chaux et dolomite luxembourgeoise. Société allemande au siège à Colmar-Berg. Et voilà l'installation qu'il y avait. Et maintenant au-dessus, vous voyez la nouvelle usine Godur. Alors tout le long du parc, il y a toutes des cultures un peu... c'est la nature en plein. Et il y a des fleurs et tout. Et là, c'est les roses Alexandra, duchesse de Luxembourg. Et voilà la Zette. Et vous savez d'où elle prend sa source, la Zette. Oui, mais si, à Til, en Meurthe-et-Moselle. Elle traverse Villerue, Audentiche, en France. Et ensuite, c'est une rivière luxembourgeoise qui se jette dans la Sûre. Et elle arrive ici à Colmar-Berg et qui rencontre en rive gauche la Terre. Et la Terre, c'est une petite rivière belgo-luxembourgeoise qui prend sa source en Belgique. Alors là, nous sommes à la... vous voyez bien là-bas, à la confluence de la Terre et de la Zette. La Zette qui traverse le Luxembourg et qui vient se jeter dans la Sûre, elle rencontre l'Adère.
l'Adère qui prend sa source en Belgique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et qui traverse quelques localités belges, et ensuite ici, elle se jette ici à Colmar-Bien, dans l'Alzette. Bon, ben maintenant, vous avez vu le château d'ici, et on va se rapprocher du château, et puis je vous raconterai un peu son histoire. Alors, nous sommes tout près du château, et l'allée qui nous y conduit, eh bien, ça s'appelle la Grande Duchesse Charlotte, parce que la Grande Duchesse Charlotte a marqué l'histoire du Grand Duché, et l'histoire mondiale aussi, parce qu'elle a participé quand même à pas mal d'événements de son vivant. Alors là, nous sommes tout près du château, et cette église paroissiale de Colmar-Berg, elle fut construite en 1744, Gaspard de Heisgen, à l'époque propriétaire du château et du domaine de Berg, a fait ériger une chapelle sur le site de l'église actuelle. Au-dessus du portail, on peut admirer les armoiries du constructeur. Cinq feuilles de trèfle vertes sur un fond argenté ou un relief représentant Saint-Michel, le patron de l'église. Voilà les tombeaux des créateurs de cette église, de cette chapelle avant et de cette église, et qui était aussi un fondateur d'une usine sidérurgique qui se trouvait à Colmar. Parce que nous ici, nous sommes à Berck. Et Colmar, c'est en dessous, où il y a l'usine Godieur. Alors, dans la famille des barons de Buchenhausen, il y avait un ministre de l'État luxembourgeois et qui est enterré ici. Et ici, tous les tombes, c'est des Buchenhausen. Alors, nous voici devant le château grand-ducal. À l'origine, le premier château qui se trouvait à cet emplacement remonte cependant à 1311. Depuis 1911, il est propriété de l'État luxembourgeois pour la famille grand-ducale. Et toute la famille grand-ducale a siégé ici. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le château fut transformé en Apola, une école d'élite pour les filles, dans lesquelles l'accent était mis sur la maîtrise de la langue, de l'économie domestique. Après la guerre, le château fut rénové et le grand-duc Jean ne prend possession qu'en 1964. Alors, malheureusement, on avait prévu de boire le café avec le duc Jean, mais il n'est pas dans son château, parce que normalement, sur la rampe, quand le grand-duc est là, on y installe le drapeau. Et malheureusement, il n'est pas installé, le drapeau. Donc, le duc n'est pas là. Ben ici, il y a des serres. C'est pour toutes les plantes qui sont dans le jardin. Et il paraît qu'il y a un jardin extraordinaire à l'intérieur du château. Mais malheureusement, ce château et ce jardin n'est pas visitable. Alors ici à Colmar-Berg, eh bien c'est le site de l'usine Godieur, une usine américaine qui s'est installée en 1951 et qui a fêté ses 70 ans au Luxembourg en 2021. Le 7e employeur du Grand-Duché du Luxembourg, la 35e usine du groupe US avec 3450 employés. Ah, ça fait pas mal, hein, ça doit faire vivre toute la région. Alors il y a une nouvelle usine qui s'est faite aussi à Dudelange, tout automatisée, qui emploie 70 personnes. J'ai une petite anecdote. Hein. Au début de la construction de l'usine, et puis au début de l'usine, sûrement qu'ils n'avaient pas une piste d'essai pour contrôler leurs pneus. Et ils partaient d'ici Colmar-Berg, ils allaient jusqu'à Verdun, en passant par Longwy et Longuyon, et jusqu'à Verdun. Et il y avait un véhicule qui partait le matin et un autre l'après-midi. Et ils faisaient des essais
tout au long du parcours. Alors on a changé de site parce qu'il y a sur Colmarberg, il y a plusieurs sites de Godur. Il y a une usine, l'usine mère qui est ici, et il y a l'usine d'expédition et il y a l'usine de technique. Et c'est ici aussi que Godur forme plusieurs sortes de pneus, surtout des grosses dimensions. Et ils font aussi les matrices ou les moules pour d'autres usines du groupe Godur. Allez, ben sur ce, cette émission au Luxembourg, c'est nos reprises. Alors on s'est dit, on va faire une petite émission, mais bon, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, si un jour vous voulez à Colmarberg, il y a de quoi faire, il y a de quoi visiter. Et je vous souhaite une bonne visite. Allez, à la prochaine. À les prochaines émissions. Au revoir.